Mac Lesgji traumatisé, cet accident inattendu lors reportage sur la chute des chats. Depuis près de 30 ans, Mac Lesgji présente l'émission E égale à M6 où il est amené à faire de nombreuses expériences. Pendant un reportage, l'animateur a cependant été victime d'un accident dont il se souvient toujours. À 60 ans, Mac Lesgji est très près de penser à sa retraite. Il prend même toujours autant de plaisir depuis 1991 à être aux commandes de l'émission E égale à M6. Un magazine de vulgarisation scientifique où il s'adonne à de nombreuses expériences pour les téléspectateurs. Parfois à ses risques et périls comme il l'a confié au Buzz TV du Figaro. Olivier Lesgourgues de son vrai nom a même dévoilé le pire souvenir de sa carrière dans le célèbre programme. Un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier, surtout qu'il a dû donner de sa personne lors d'un reportage au Cirque Pindé consacré à la chute des chats. Et cette expérience est mal tournée. Quand un chat tombe, il va toujours retomber sur ses pattes. On s'est demandé, est-ce que l'homme peut faire la même chose? Est-ce que Mac Lesgji peut faire la même chose? A-t-il confié. Mac Lesgji a pris donc son courage à deux mains et s'est balancé sur un grand trapèze. Avant de tomber dans un filet, perché tout en hauteur, l'animateur a cependant ressenti une terreur absolue. Il a malheureusement bien eu raison d'avoir peur puisqu'il a fait une très mauvaise chute. J'ai atterri sur le filet de sécurité, donc pas de problème, mais j'ai atterri sur le gros orteil. Je me le suis foulé, a-t-il raconté. Celui qui produisait Nouveau Loup, pour une nouvelle vie, animé par Christina Cordula, a même eu des séquelles après cet incident. J'ai eu mal pendant 2 ans. J'avais une petite gêne, a-t-il raconté, en assurant qu'il était désormais guéri. Voilà les téléspectateurs rassurés. Mais Mac Lesgji n'est pas au bout de ses surprises puisqu'il compte bien se lancer dans d'autres expériences avec E égale à M6.